Après plusieurs rencontres avec les 24 bourgmestres de Kinshasa sur la nuisance sonore, l'insalubrité et l'encombrement de la voie publique transformée en lieu de négoce, le ministre provincial de l'Intérieur hausse les tons. Toute personne qui veut exercer une activité doit se trouver au moins à 15 mètres de la route principale ou de la route. Ces différentes avenues qui sont concernées, l'avenue Issy-Hirault, Justice, 30 juin, Sergent Moquet, Roi Baudouin, des aviateurs, Colonel Mondjiba, Kabamba, Kabinda, Triomphal, Sendwe, Victoire, la route de Matadi, chaussée Mzé Laurent-Désiré Kabila, avenue des Forces Armées, Prince de Liège, Pierre Moulélé, Kabasele Tchamala, avenue de la Démocratie, Luambo Makiadi, de l'Université, Bypass de la Foire, boulevard Lumumba, avenue Bobozo. Nous allons commencer à évacuer tous les vendeurs et de ce fait tous les bourgmestres. Tous les commandants SIAT sont instruits ainsi que les chefs de quartier à veiller à la stricte application de ces mesures. Et de surcroît, nous rappelons aussi les autres mesures. L'utilisation des instruments sonores dans les églises avant 9h et après 15h. La vente des boissons alcoolisées au niveau des terrasses et des bars et autres seulement du lundi au vendredi de 18h à 23h, samedi de 18h à minuit, dimanche et jours fériés de 11h à minuit. Nous rappelons l'application stricte de ces mesures qui sont seuls garants d'une bonne administration et aussi du maintien de l'ordre public. Et cela est basé sur le programme de Kinshasa Bopeto, qui veut dire aussi l'assainissement passe par l'application, l'exécution et l'obéissance des textes tels que mentionnés ici. Devant une telle détermination du ministre, il devient évident que les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes.